Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Une fois encore, nous sommes très ravis de vous retrouver encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier et recommander ce direct, cette émission exceptionnelle dans la main du Seigneur. Éternel, les amis, nous voulons te dire merci une fois encore. C'est par ta grâce que nous vivons encore. C'est par ta grâce que nous sommes revenus encore sur cette émission. Réveille-toi. Comment ne pas te dire merci? Beaucoup sont ceux-là qui ont commencé la semaine avec nous. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans les situations critiques. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans les lits des hôpitaux. Beaucoup sont ceux-là qui sont privés de leur liberté. Mais Seigneur, jusqu'ici, tu nous as gardés, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as libérés parce que tu as dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez mal libre. Merci pour cette liberté. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée jusqu'ici. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin, et que la vie de quelqu'un ne sera plus la même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Je voudrais dire merci à toute personne qui nous regarde d'habitude tous les samedis, et nos abonnés sur la chaîne YouTube Gilberto, aussi sur notre page Gilberto, sur Facebook. Et je voudrais dire bonsoir à la régie qui est présente parmi nous ce soir, la régie, que le Seigneur vous bénisse. Je salue toi qui me regarde en ce moment, dis à ton ami, identifie quelqu'un, partage ce direct, c'est que Dieu veut faire quelque chose encore. Beaucoup sont ceux-là qui ont commenté le clip Lettre Surprise. Beaucoup sont ceux-là qui ont dit, Gilbert, c'est un bon boulot. Je dis, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas ma force, non, ni ma puissance, non, mais pas l'esprit du Seigneur. Et j'ai choisi Lettre Surprise, nous allons danser sur ce son extraordinaire. Gilbert, je suis en featuring avec le frère, brother Franco. Depuis l'Angleterre. Donc nous allons danser Let Us Praise. Si tu es d'accord avec moi, danse avec moi, chante avec moi, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec moi. On y va, la régie. Lord, Almighty, let us praise the Lord together.
Christ, I invite you to praise the mighty God with us because He blessed you. La régie, est-ce que vous êtes prête? Ce soir, nous allons danser. C'est une très grande joie pour nous de partager ce moment avec vous. Et nous allons directement encore au Bénin. Il s'appelle le frère Josias Foli dans Open Action de Grâce. Tu vas témoigner ce que tu as fait dans ta vie. Nous allons danser encore avec le frère Josias Foli. On y va. Avancez un peu la régie.
Alléluia. En tout temps, dans toute la situation mauvaise, rend toujours grâce à Dieu. Je suis quelqu'un, normalement, ce soir, je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas être devant vous en train de danser. Je ne devrais pas être devant vous en train de vous parler. Mais en toute chose, rendons grâce à l'Éternel. Car j'ai perdu une sœur bien-aimée, mais c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Paul a dit, qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la disette? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Peu importe. Une mauvaise nouvelle qu'on t'annonce, rends grâce à Dieu. Peu importe les mauvaises situations dans lesquelles tu es en train de traverser en ce moment, rends toujours grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Je profite de cette occasion de prier pour la famille, ma famille Koukoumédi. Et je veux que vous priez aussi pour la famille Koukoumédi. Nous sommes touchés, mais c'est la volonté de Dieu. Car Dieu a repris sa fille, qu'il a donnée, lui-même a repris ma soeur Koukoumédi Julienne. Donc, je vous prie de prier pour notre famille. Que la main de l'Éternel vous localise aussi. Que l'amour fût votre famille. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. La semaine dernière, on a parlé d'un verset qui parlait de Dieu est avec nous. Et on a vu Dieu était avec Daniel dans la fosse aux lions. On a vu aussi Dieu était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Et ce soir, le thème de ce soir, c'est la fin de notre enseignement de la semaine dernière qui s'intitule « Dieu est en nous ». Dieu dit à ton ami, dis à quelqu'un que Dieu est en moi. Dieu n'est plus avec nous. Dieu est en moi maintenant. Et ce soir, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mm-hmm. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand Dieu a créé la terre était informe et vide. Il n'y avait rien, il n'y a pas de forme. Mais l'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu en train de mouver sur les eaux. L'Esprit de Dieu ne mouvait pas, ne se faufilait pas parmi les hommes, parce qu'il n'y avait pas les hommes. Il n'y en avait pas. Je vais demander à la régie de nous lire encore dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Au début, quand, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre, sur les eaux, et Dieu a décidé d'envoyer son fils Jésus. Et il lui a donné un nom. Et ce nom est Emmanuel. Dieu est parmi nous. Et dans l'Ancien Testament, nous allons voir Jésus un jour est parti dans la ville, là où il avait grandi, à Nazareth, est arrivé là-bas. Il rentre dans la synagogue, on lui donne le livre, il a déroulé le livre. Et il
est tombé sur un passage du prophète Isaïe qui dit « L'Esprit de Dieu est sur moi. » Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était parmi nous. L'Esprit de Dieu était rôdait, passait sur les eaux, sur la terre. Et Jésus, Dieu même a dit, je vais envoyer mon fils. Et ce nom est, Dieu est avec vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais demander à la régie encore de nous lire dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ils furent remplis. Cette fois, l'Esprit n'est plus, il rôde plus. L'Esprit n'est plus sur nous. L'Esprit n'est plus parmi nous. L'Esprit est en nous. Quand Jésus était mort, ressuscité, il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Alléluia. Et que dit consolateur? Le consolateur, l'esprit révélateur, la puissance d'en haut. Dans l'Ancien Testament, l'esprit rôdait. Dieu a décidé d'envoyer son fils. Il fallait que le fils arrive d'abord. Il fallait que le fils vienne ici et parler de son père. On le tue, il va ressusciter le troisième jour et après il va donner la puissance. Je vais demander à la régie, nous allons encore danser. Il s'appelle le frère Timothée, on va toujours rester au béni aujourd'hui. Dansons pour la gloire du Seigneur, on y va.
leur Dieu bénit. C'est merveilleux dans ta vie ce soir. Nous continuons notre enseignement. Et je disais que lorsque Jésus était sur la terre, l'Esprit était parmi les disciples. Lui était rempli de l'Esprit. Mais ses disciples, l'Esprit n'était pas en eux. La preuve, je vais vous dire pourquoi l'Esprit n'était pas en eux. La preuve, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a eu peur. Parce que l'Esprit n'est pas encore dedans. Vous voyez, parfois on dit, il a du talent, hein, à ce qui fait là, franchement, c'est dans son sang. Ce qui est dans le sang, ce qui est dans l'invisible, a beaucoup de puissance par rapport à ce qui est sur la peau, ce qui est sur la peau pour l'enlever. Mais ce qui est en toi a plus de force. Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, l'Esprit était parmi eux, l'Esprit était parmi eux. Mais quand Jésus est mort, ressuscité, il a envoyé son Esprit consolateur, l'Esprit de force. Lorsque Jésus a été arrêté, lorsqu'il a été tué, les disciples, ils avaient toujours peur. Ils étaient vraiment effrayés. Jésus les a déjà dit, ne vous éloignez pas trop de Jérusalem. Jusqu'à ce que la puissance d'en haut tombera sur vous, entrée, vous remplie. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, la Bible déclare l'Esprit est descendu. L'Esprit, ils étaient tous remplis de l'Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et les mêmes personnes qui avaient peur, ils n'ont plus la peur dans leur vie. Parce que l'Esprit a enlevé la peur dans leur corps, dans leur ventre, dans leur intérieur, remplacé par la puissance de courage. Ils sont sortis, dit Jésus que vous avez tué, il est ressuscité. Jésus que vous aviez maltraité, il est ressuscité. Ils n'ont plus peur. C'est pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons une puissance terrible. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est parmi nous et en nous, il y a une différence. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre parmi nous et en nous. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Jean 4:4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible ne nous dit pas ici, celui qui est parmi nous est plus fort, celui qui est en moi. Lorsque l'Esprit de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu, tu n'as pas peur de qui que ce soit. Tu n'as pas peur de sorcier. Tu n'as pas peur de proclamer Dieu partout où tu es. Tu dis Jésus est Seigneur. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu n'est plus. Depuis que Jésus a envoyé l'Esprit de Dieu, il a envoyé le Consolateur, l'Esprit révélateur, la puissance d'en haut. L'Esprit de Dieu n'est plus parmi nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Ne dis plus l'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est une très grande joie ce soir de partager ce moment avec vous. Et je prie pour quelqu'un que l'Esprit de Dieu te remplit. Que l'Esprit de Dieu te remplit. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, que l'Esprit de Dieu te donne la force de le faire. Je vais demander à la régie
de nous lire le verset de la fin rapidement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Que le Seigneur continue de faire des merveilles dans vos vies. Ne vous inquiétez pas, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, que le Seigneur console quiconque en train de pleurer en ce moment, quiconque en train de traverser un moment difficile, que l'Esprit révélateur, l'Esprit consolateur vous console. La semaine prochaine, si Dieu le veut, si Jésus ne revient pas encore, nous serons encore là en train de danser pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end chez vous. Que le Seigneur vous donne la paix, la joie. Et la semaine prochaine, on se verra encore à sa grâce. Ciao.